1m82 pour Hussein Bérame. 10 cm de moins pour le Marseillais. Et Frédéric Serre qui nous disait juste avant ce combat, ça me motive de l'affronter, c'est un vrai challenge pour moi. Et rassurez-vous, je ne pars pas battu ou abattu, je suis là pour tout donner. Et attention au métier de Bérame qui semble glisser sur le ring. Ça fait 2-3 fois que je devrais perdre un peu l'équilibre. Il n'a pas intérêt à se battre, Bérame. Il n'a pas intérêt. Hein. Il n'a pas intérêt. Ça part trop vite pour lui, là. Ça part beaucoup trop vite. Et on l'a dit, Jean-Claude, ça change vraiment, hein, ce format. Ce format, 6 rounds, c'est un sprint. Et pour l'instant, il a pris le combat par le bon bout, Frédéric Serre. Et on est reparti dans cette deuxième reprise. Et on aurait parti fort du côté de Frédéric Serre. Ah, il ne faut pas qu'il calme, il ne faut pas qu'il calme le jeu, il faut qu'il continue s'il le peut. Mais attention à l'uppercut, attention à l'uppercut de Bérame. Il l'a déjà placé à plusieurs reprises quand il était dans les cordes au premier round. Et le crochet droit là de Frédéric Serre et qui a même passé l'uppercut droit. Frédéric Serre prend beaucoup de risques. Et voilà, s'il anticipe bien, Hussein Bérame peut faire la différence, il peut calmer le jeu. Voilà, encore. Ah, c'est mieux. Ah, il a enclenché la machine en avant, Frédéric Serre. Il y en a un qui est blessé, qui saigne. Oui, c'est Frédéric Serre. Ah ouais, faut pas rester là, il a plus vraiment les jambes, Hussein, pour... Ça n'a jamais été son fort non plus, ça. Mais il a d'autres atouts. Trop tard. Ouais. Ah, c'est un combat. Oh, l'arcade. L'arcade, et puis aussi la lèvre, semble-t-il. Oh là là. Alors, on est allé voir l'arcade gauche de Frédéric Serre. J'espère que c'est pas trop profond, on n'a pas pu se rendre compte. Avec Alain Mazon, il est tranquille. Il ne sera pas prendre de risques. Ah oui, ça sera la bonne décision. Et il repart, Frédéric Serre. Ah, il n'aimerait pas. Il n'aimerait pas être arrêté là, sur blessure. Et là, du coup, il accélère une nouvelle fois. Ah oui, parce qu'évidemment, quand on est blessé, on a toujours peur que, et bien sûr, les conseils du docteur, on soit obligé d'interrompre. Aïe, 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 coup bas. Ah, il n'a pas fait exprès. Oh là là, il va arrêter, il arrête. Il arrête sur blessure. Il préfère arrêter sur blessure et. Oh là là, qu'il a. Ah, il a pas envie, mais c'est vrai que ça paraît dangereux. C'est dommage avec ce qu'il avait fait jusqu'à présent, Frédéric Serre. Je pense qu'il pouvait le faire encore parce que vraiment physiquement, rien ne. Ah, c'est franchement. À s'engager. Et oui, et être arrêté sur blessure. Le docteur Mazo, lui, était venu, il avait estimé qu'il pouvait y aller, mais bon... Non, mais il y a eu des coups supplémentaires. On est d'accord, bien sûr. Il avait donné des consignes. Et puis elle est bien entamée, ouais. Malheureusement.